What your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born an actual born fighter. I beat this god blaze, horse and nigga bitch. The law for the Susan, it's kicking with intelligent. In my gathering, sound is trumpet, opposes. Beat his ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make a do a new city. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. Trente ans de succès. Cet artiste-là est venu au Burkina Faso pour la dernière fois, il y a 25 ans de cela, et lors de cette visite, il a reçu son disque d'or. Honorables invités, voici la légende, Sam Fan Thomas. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît, madame, messieurs. Et c'est avec une vive émotion et une grande joie que le commissariat général des Koundé a décidé de rendre hommage à Sam Fan Thomas qui le mérite. Nous allons décerner un trophée d'hommage à l'artiste et nous appelons le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi pour remettre le trophée de Sam Fan Thomas. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, pour remettre le trophée de l'artiste. Wow, Africa, it's a pleasure, you know, standing here in front of a living legend when it comes about music making in Africa, in Cameroon, the African continent. I'm so proud because, man, if you're standing where I'm standing, it's like talking with Jesus. Oh, and he is one of the forefathers of Makossa, you know, a typical genre of music, you know, to the coastal indigenous of Cameroon. He is from the Western region. He's a Cameroonian, a mixer, you know, arrangeur, comme on dit en français. He is here in Cameroon and on the call. It's my privilege to host him on the show and wow. Je ne sais quoi, on dit en français, I don't know what to say. Cause it's a man, vous, comme ça, un personne, I say it's like, it's wonderful. I thank you for being on the show. It's called Sam Fan Thomas, you know?
I like that. Thank you for being on the show, Missy. Merci. Wow, ça va? Ça va, très bien. Vous êtes là depuis quand? Parce que ça, c'est votre studio, Studio Makassi. Ben, le studio existe depuis 17 ans. 17 ans? Ouais. Et vous êtes toujours beau là? C'est le studio qui a 17 ans. Moi, j'ai plus de 17 ans. Non, mais moi, non, je peux imaginer si le studio là, depuis 17 ans, and you were born in 1960, you are so strong. Non, comment? De toute façon, le studio n'a pas mon âge. Yeah, I understand. Je vais simplement dire qu'on a essayé un moment de mettre une structure en place pour que les jeunes, parce que dans les années 90, la musique camerounaise se portait très très mal. Il y avait la crise économique où les artistes ne pouvaient plus aller en France enregistrer. Alors quand je suis sorti de la tournée avec le feu Côte au Bas, c'est les NBC aux États-Unis, au Kenya, en Ouganda, où j'étais allé faire une tournée. Mm-hmm. Alors, on s'est permis d'acheter le matériel qui aujourd'hui aide beaucoup les artistes. Donc, j'ai dit au départ, c'était pour eux. Okay. Parce que j'avais dit à Côte au Bas à l'époque, écoute, c'est votre studio que j'achète, c'est vous qui allez en bénéficier. Et effectivement, après, il a eu le succès avec King Godfrey, il y a eu H-Doll, les bébés, tout le monde est passé ici. Les gens ont utilisé le studio, ils en ont bénéficié des structures qu'on a mises en place il y a 17 ans. On va penser étape par étape parce que vous-même, c'est déjà une histoire. On pense doucement comme ça, les gens qui sont à la maison, les enfants qui ont 14 ans, 20 ans vont mieux comprendre. So, you are a guitarist, you are a producer, arranger, that's mixer, and you own the studio, you are a singer. And you are still doing it though, you are like backstage, you know, comme on dit dans les coulisses, mm-hmm. entre les producteurs et les artistes. Mm-hmm. Vous avez raison de faire tout ça. On dit merci, merci vraiment, bravo. What you're doing is fabulous. So I want to take your story back down. You were born February 1960 in Cameroon, in the western region of Cameroon. On dit souvent que chaque homme a une histoire à raconter. On grandit comme un enfant, c'était passé comment avec papa, avec frère, les soeurs? Oui, je suis né dans une famille chrétienne à Bafoussam. Je suis né à Bafoussam et ma femme était déjà choriste dans une des églises de Bafoussam. Elle était même, c'est elle la fondatrice de la chorale de l'église protestante de Ndjamou qui est sur la colline de Ndjamou. Ouais. Et puis, comme tout petit, on allait à l'église, on chantait toujours. Mais ce qu'on me rappelle toujours, c'est que quand j'allais à l'église, je ne chantais pas à l'église, mais dès que j'arrivais à la maison, je reprenais toutes les chansons qui ont chanté à l'église. Donc c'est ce que ma grand-sœur me dit toujours, non, tu chantais toujours. Ben, moi, je ne savais pas, j'étais tout petit. Après, je suis allé avec... j'ai commencé à apprendre la guitare, j'ai joué à la guitare. Comme tout jeune, en même temps, je jouais au football et je jouais à la guitare. Après, je suis allé voir André Maritala, étant guitariste, on a formé les Tigres Noirs. Et après, il y a eu le succès de Tal André Marie. Ensuite, on est venu s'installer à Douala, où je suis parti à Cotonou pour faire mes premiers disques, Funky New Bell, les Calo, c'est ça c'est dans les années 1879. Mm-hmm. Et après, j'ai essayé de faire un disque à moi-même avec Tamo Isidore. On allait en France, on a fait African TP Collection et l'histoire a commencé. C'est commencé, this is like a kind of summary, we'll take it step by step. Okay, you started doing music way back in church because your mother was a chorister, for those who understand English, down South Africa, Nigeria, Ghana. So you started singing way back in church because the mother was a chorister, you know, got back home, doing the stuff, you know, finding yourself, doing something that you don't know where the inspiration is coming from. Everybody's born with a gift. You know, just have to search deep inside of you and ask God for more blessings. And that's what he did. Okay, so you, for sure, you went to school. Vous avez parti à l'école comme les autres enfants. Ben mais oui. À un certain niveau, vous avez arrêté, vous avez fréquenté où et pourquoi vous avez arrêté? Vous avez lu quoi à l'école? What did you read in school? Ben on lisait les Mamadou et Binetta sont devenus grands comme tout le monde. il y avait un livre à l'époque pour tout le monde. C'est-à-dire que Mamadou et Binetta, après je suis allé au collège Tankou. C'était à Tchang? Non, à Bafoussam. Tout ça c'est à Bafoussam. Wow. Je suis d'abord parti à Yaoundé où j'ai fait l'école primaire à la mission adventiste. Et surtout, je suis reparti au Bafoussam pour faire le collège Tankou. Ensuite, on a réussi à entrer dans un CS. Mm-hmm. Et puis la musique a pris le pas sur le reste. Et comme je suis venu m'installer à Douala, je peux plus continuer les études. Et puis voilà. Ok. Aucun regret. No regret. Ben, je ne sais pas si je peux dire que je regrette parce que. Moi, je dis que non. Avec le parcours, moi, je dis toujours que peut-être, je ne sais pas, c'est le destin, c'est comme ça.
Il a fallu que je rencontre André Maritala, qu'on vienne s'installer à Douala, et puis que je découvre autre chose, les cabarets où j'étais musicien, pour me former dans les cabarets. Mais il faut aussi dire quelque part, quand on joue à Bafoussam avec André Maritala, parce qu'on est venu s'installer à Douala avec André Maritala, après on est retourné à Bafoussam jouer à la Payotte. C'était une grande boîte de nuit à Bafoussam où on s'est presque formé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Kembe Pesso, qui était un grand musicien. Il était étudiant, nous sommes de la même génération. Il avait un professeur canadien qui apprenait à faire de la musique. Il était son professeur de musique au lycée. Et tout ce qu'il apprenait dans la matinée, Kembe me retransmettait dans la soirée. Et moi aussi, j'allais montrer à André Maritala. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans l'enfance dans une collégialité comme ça, où chacun allait apprendre quelque chose, venir montrer à l'autre. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec Kembe. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la musique, dans les harmonies. Où le même, après, j'ai rencontré le professeur, on a continué à travailler. Okay. C'est pour ça que je peux m'estimer être un peu guitariste aujourd'hui dans cette façon de faire. Tam Wisdor est celui qui m'a amené en France. Avant de rencontrer Tam Wisdor, j'étais déjà parti à Cotonou, où j'ai enrichi des chansons. J'ai même en fait des enrichissements au Cameroun, où j'ai fait fonctionner. Me fonctionner, Yaoundé. C'est une chanson que j'ai enrichie au Cameroun. Lipingboulé, mon monde le pas, ben dans Dieu t'entraîne. Lipingboulé, mon monde le pas, ben dans fait un coup. Composé ça. C'est moi? Mais pourquoi? Je ne ressens pas quelqu'un. Tu parles de tous les accords, mélodies, ben non. Les plus jeunes, tout ça. Moi, ce que je dis dans la musique là, aujourd'hui, j'ai toujours dit aux jeunes qui viennent ici au studio travailler avec moi, je leur demande souvent, est-ce que vous avez des insomnies quand vous écoutez une chanson? Moi, je ne dormais pas. Quand j'écoutais George O'Maman pour la première fois, de Ray Charles, je n'ai pas dormi. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut arriver à composer une chanson pareille? N'en parlons plus de l'Eric B, des Beatles, des chansons des Beatles. Mais il faut pas dormir. Pourquoi vous voulez dormir quand quelqu'un, vous savez que c'est un être humain comme vous qui compose une chanson où c'est extraordinaire. Mais comme pour la première fois, quand j'arrive à Douala, je ne connaissais pas Eboua Lotine. J'écoute sa chanson. Mais je dis, mais comment est-ce qu'il fait pour jouer sa guitare? Parce qu'il avait une façon de régler la guitare, qu'il fait pendant un bien. C'était terrible. Ouais. Donc, si aujourd'hui, un jeune ne s'identifie pas à un autre musicien, je suis désolé, il ne comprendra pas. Il y a des génies qui ont fait des chansons sur la terre, il y a des gens qui ont fait des compositions. Et à un moment, nous, on a rêvé. Et tant qu'on ne rêve pas, on ne fait rien d'extraordinaire. Quand je rencontre André Marie, il était déjà super guitariste. Hein. Et quand je rencontre Maritala, il venait de faire sa guitare en bambou. Et il venait d'acheter aussi une autre guitare, il était déjà super guitariste. Comme vous dites, il y a des artistes camerounais, Manu Dibango nous a fait rêver. Ah oui, quand on était tout petit, on écoutait Manu Dibango, on écoutait Tchana Pierre, on écoutait même le Kemayou, Elvis nous ont fait rêver. Parce que Kemayou, c'est vrai qu'il était jeune, mais il était déjà en France. Il a enrichi Te Revoir, où nous, on rêvait d'aller enrichir. On ne savait pas que c'était un Africain qui avait chanté, parce qu'il avait tellement bien chanté avec l'accent français qu'on ne pouvait pas imaginer. Quand on dit Kemayou Elvis, mais ça nous fait rêver. Même Ekambi Brillant nous a fait rêver, parce que c'est des gens qui ont commencé avant moi. Ouais, un peu. Donc, quand on est musicien, il faut écouter les autres. Franchement, on ne peut pas rester dans son carcan quelque part, penser qu'on est meilleur. Alors qu'on n'est vraiment pas le meilleur, il faut écouter les autres, il faut écouter ce que les autres font. C'est ça qui donne la richesse et ce qui fait en sorte qu'on travaille encore deux fois plus. Quand je fais l'aventure du Nigeria, où je joue avec le Super Five International, où je joue avec les Black Children, parce qu'ils étaient guitaristes dans les studios là-bas,
je remonte à Cotonou, j'enrichis, et quand j'arrive à Cotonou, je me rends compte que la musique camerounaise n'était pas connue. Malgré le succès que les gens avaient ici, il n'était pas connu à Cotonou, qui n'est pas loin d'ici. Et la musique la plus connue là-bas était la musique congolaise et la biguine. Ah, j'ai dit, mais si la biguine est connue et la musique congolaise, une idée me tape, me frappe comme ça. Il dit, mais on peut faire une synthèse de ces deux musiques-là pour être connu aussi là-bas. Alors, comme j'étais un fan du rhythm and blues, alors j'ai commencé à dire, mais on peut faire une synthèse, une idée comme ça. C'est comme ça que j'ai fait ma musique. Et un jour, j'ai un ami qui s'appelle Fabo Claude, qui est mon grand ami, mon guitariste, mon choriste, qui me dit ça, mais comme ta musique n'est pas la Makossa, pardon, on peut lui donner le nom Force. Il a dit, donnons ce nom en Lingala, parce que en Lingala, ça sonne bien. Il dit quoi? Il dit Makasi. C'est un mot Lingala qui veut dire la force. C'est une force que tu as. Il a fait ça Makasi. Oui, oui, c'est Fabo Claude qui a trouvé le nom de ma musique. Il y avait une polémique en France dans les années 80. Bah, je suis obligé de le dire cette fois-ci parce qu'on faisait croire qu'il n'y a qu'une seule langue au Cameroun pour chanter. J'ai dit, c'est pas possible. Nous, on a dansé dans les boîtes de nuit les chansons américaines. Et à l'époque, je pense bien que dans les années 75-80, les francophones n'étaient pas aussi bilingues qu'aujourd'hui. On dansait les James Brown. Personne n'écoutait ce qu'il racontait. Apollo, on a dansé. Papas Gare Brand New Bar, qui savait ce que ça voulait dire à l'époque? Moi, pratiquement, c'est la mélodie qui m'intéressait. Alors, on s'est dit que la musique, c'est les harmonies. Donc, qu'on n'ait pas de complexe de chanter dans sa langue. On n'a pas eu ce complexe parce que je me suis dit, si j'ai une bonne mélodie, si une musique chinoise arrive ici, elle est belle, on va acheter. On a acheté les musiques que les Kenyans chantaient, qui ont vendu au Cameroun. Alors, c'est pour ça que nous, on a privilégié les harmonies. Et que la langue, moi, la langue, ça ne veut absolument rien dire. C'est vrai qu'il faut dire quelque chose dans sa langue, mais moi, je pense que si une harmonie est là, si les harmonies sont bien agencées, il n'y aura pas de problème. Quand je parle de Tigre Noir, c'est simplement parce que avec André Marita, là, tout baignait dans l'huile. Mais chaque fois qu'il se déplaçait, tout s'arrêtait. Alors, je me suis rendu compte que s'il est là, c'est bon. S'il n'est pas là, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que je suis parti à Cotonou. J'ai commencé à faire l'aventure. Il faut que je me batte pour faire quelque chose. Déjà, à l'époque, trouver un producteur au Cameroun, c'était une catastrophe. Il n'y en avait même pas. Il y avait le cousin, disque cousin. Il y avait Tamla, monsieur Tamla. Il y avait Jiko, un Nigérian qui était installé au Cameroun, qui faisait le Mako, qui produisait. En dehors de ces trois, je ne connaissais pas notre producteur. Et moi, quand je suis parti à Cotonou, j'ai eu la chance de rencontrer M. Donzo, qui était le directeur de la Satel. Il a écouté ma maquette et il a directement décidé de me produire. Voilà. L'avantage que j'ai eu, c'est que je me suis déplacé, j'ai eu la chance de partir et d'arriver et on m'a produit. Et le procès s'est passé comment? Il avait un producteur? Moi, j'avais envie de sortir un disque. C'était tout ce qui m'intéressait. J'avais envie de faire écouter quelque chose. Rien ne m'intéressait en dehors du disque que je voulais sortir. Déjà, accepter ce que je voulais faire parce que c'était pas le Makossa, c'était pas la musique congolaise. Et j'ai dit que je suis tombé sur un monsieur qui avait un peu de connaissance musicale, qui a accepté de me laisser faire ce que j'avais envie de jouer. Sans qu'il n'en contre pas. Il ne m'a pas imposé quoi que ce soit, M. Donzo. Donc il a dit, bon, allez, laissez-le. J'ai répété avec les Black Santiago de Cotonou. Et puis, j'ai enrichi mon disque. Donc, c'était la chance. We've come across the name to Isidore Tamo. He's a Cameroonian musician, you know, into folklore from the Western region. How did he come into your life? Un ami d'enfance. Oui, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Et puis, il a vu comme j'avais... Parce que ce qui se passe, j'ai dit un jour à Tamo, moi, je suis étonné que les gens partent en France quand ils sortent un disque, ça marche.
Donc ça veut dire que pour que je sois célèbre, il faut absolument que j'ai aussi enfant finisse. Parce que tout ce que j'ai fait à Cotonou, c'est vrai, les gens ont apprécié. Mais tous ceux qui allaient en France revenaient avec un disque qui est bien fait. Je dis à Tambo, mais toi, tu ne penses pas que s'il arrive à Cotonou, en France, là, je peux me faire un disque d'or à Tambo. Parce que je vois comment les gens reviennent. Ils disent, mais tu n'as pas de passeport, il faut aller faire prendre un passeport. Et à l'époque, au Cameroun, le passeport, c'était un diplôme. Ah oui, faire un passeport au Cameroun. Tu avais 60 millions pour avoir ça après 3 semaines. J'ai fait 7 ans, je n'ai pas eu de passeport. Quoi? Mon histoire est terrible. Moi, j'ai fait 7 ans au Cameroun, je n'ai pas eu de passeport. C'était trop difficile comme ça. Ben, allez savoir. Oui, on ne voulait pas laisser les Camerounais sortir. Moi, j'ai fait 7 ans et je me rappelle toujours, c'est l'occasion pour moi de remercier un monsieur. Monsieur Kamge, Dieudonné. Il était à la présidence. Moi, je pense qu'il était secrétaire général à la présidence. Alors, comme j'avais déjà fait le Cotonou partout, on me donnait le laissez-passer. Et j'arrivais pas à arriver en France. Je suis allé le voir. Il dit, mais ça fait longtemps que je fais un passeport, ça ne marche pas. Alors, il m'a envoyé voir quelqu'un à la délégation qui m'a fait un passeport pour aller faire African TP Collection. Moi, je ne l'ai jamais assez remercié pour ça parce que j'ai plus jamais eu l'occasion de le rencontrer. Je suis allé chez lui une fois quand il a perdu sa fille. Je n'ai pas pu le rencontrer, il dormait. Après, je devais repartir. Je dis que c'est une occasion pour moi de dire que grâce à lui, j'ai pu arriver en France. J'ai fait African TP Collection et il connaît l'histoire parce que je sais qu'il connaît mon histoire. Je ne crois pas, c'était vous qui avez écrit ça? Mais ceux qui me connaissent ne sont même pas étonnés. It's magical. Parce que c'est une chanson que j'enrichis déjà au Cameroun, à Cotonou. Dans mes premières aventures à Cotonou, j'avais déjà African TP Collection dans mes bagages. Alors quand j'enrichis à Cotonou, M. Donzo, malgré qu'il soit un très grand producteur, n'a pas compris exactement ce que je voulais faire. Il n'a pas compris. Il m'a dit que bon, African TP Collection, il faut le laisser de côté. Bon, quand j'arrive en France, ce qui fait que cette chanson-là, quand je reviens de Cotonou, j'ai fait écouter cette chanson avec Camille Briand. Je lui demande, mais voilà une chanson Briand, pourquoi tu n'interprètes pas? Moi, j'ai fait cette chanson-là. À l'époque, il avait une édition qu'on appelait Djengu, qui était installée juste là où aujourd'hui est Orange. Il a dit, non, bon, laisse, je ne comprends pas. Je suis allé voir Echo Roosevelt. Il venait de faire Kilimanjaro. Je lui ai dit, Echo, j'ai une chanson là. Est-ce que il faut voir comment on peut faire cette chanson? Lui non plus n'a pas accepté. Alors, quand j'arrive alors en France, comme beaucoup de gens doutaient, j'ai mis cette chanson comme la face B, sur la face B. Comme troisième chanson de la face B. Donc pour moi, c'est une. Heureusement que dans le studio, on avait bien fait. Mais il y a eu un tic au studio qui nous a fait penser que cette chanson pouvait faire quelque chose de. Parce que quand on enrichit, le blanc de technicien qui s'appelle Pierre Joël, quand nous sommes sortis pour aller manger à midi, il est resté faire le mixage de ce titre. Et quand je reviens, il dit, mais écoute Sam, écoute, j'ai fait un mixage d'un de tes titres que j'aime beaucoup. Il dit, mais ok, dit, African TP Collection. Il m'a fait écouter. J'ai dit, c'est bon. Déjà, on n'avait pas assez de moyens pour faire plusieurs séances de studio. Oui, c'était vraiment le budget était juste. Hein, c'est Tambo qui produisait. Et on faisait les deux albums, son album et le mien au même moment. Donc j'ai accepté le mixage. Et quand j'arrive à la gravure, le blanc qui faisait la gravure m'a dit, mais Sam, écoute, il y a un titre là que j'ai écouté, il faut le mettre comme premier titre. J'ai dit, lequel titre? J'attendais qu'il me parle de Molé, j'attendais qu'il me parle de Makassi, de Sabina. Il a dit, non, il y a un titre là, celui-là, il faut le mettre comme premier titre. Et comme Madame Lacoste, qui était chargée de la distribution, était avec nous, elle a dit, mais c'est vraiment, c'est pareil, et on a mis comme premier titre. Donc, on avait mis un doute en moi. Je n'arrive plus à croire sur le titre qui allait marcher. Oui. Moi, je comptais sur Sabina, sur Molé. Finalement, c'était bien. Mais c'était bien parce qu'on avait bien joué. Oui. C'était, les émissions au studio non, répétaient exactement ce que j'avais fait dans la maquette. On n'avait pas le temps. On a appelé Michel Alibo, ils ont passé la nuit, ils ont pris la maquette, ils sont allés écouter les basses, comme j'avais fait la basse avec le médiator. Parce que moi-même qui faisais tous les maquettes et tout, ils ont joué exactement comme je voulais.
Et Dieu merci, le travail était bien fait. C'était des professionnels, ils ont joué ça. Alors, cette chanson a une histoire parce que dans les années 88, j'ai dit à un de mes amis que, écoute, on passe le temps à jouer sur Mandela des chansons langoureuses, hein, des slow. On peut aussi être fier de quelqu'un qui a pensé à ce qui est. Qui est comme comment dire ça, on peut le prendre comme notre libérateur, comme la personne qui pense que il y a l'apartheid dans un pays et les gens ne veulent pas, il meurt pour ses idées. Il faut pas seulement aller pleurer, il est en prison parce qu'il pense que il y a une injustice quelque part et il faut que la justice soit rétablie. On peut aussi aller dans une boîte de nuit, on met une chanson. On danse en pensant à Mandela, que d'aller seulement pleurer. On peut aussi être fier de lui. Ok, c'est pour ça que je fais Mandela dans un rythme enlevé. Et je pense que, et quand il sort de prison, 2 ans après, c'est cette chanson qui l'accompagne jusqu'à chez lui. Vous avez déjà eu l'occasion pour jouer à Sound City, Johannesburg? Non, pas encore, pas encore. Oh, vraiment, il faut que l'écoute ça. Mais j'ai été invité une fois, mais malheureusement, j'étais en tournée aux États-Unis. J'étais juste après sa sortie, juste après la sortie de Mandela, j'ai fait 6 mois aux États-Unis de tournée. C'est à l'époque où on me demandait d'aller en Afrique du Sud, je n'ai pas pu arriver. Et
I was in Nigeria and I had a chat with some Nigerians. They came in, "Toi, tu viens du Cameroun?" I said, "Yes." "Makossa?" I said, "Yes, Makossa." They know Makossa. But when you want to talk about, talking about Koffi Olomide, talking about artists from the other African countries, what they have on the mind is that le dombolo, le soukoustou, c'est Makossa. How will you define Makossa? Ils appellent ça la musique d'Afrique centrale. Au Niger, c'est le dombolo, tout, c'est la musique de Macky Sant, oui. Ils ont toujours cette confusion là-bas chez eux. De toute façon, sur le plan musical, c'est la même chose. C'est, les langues, c'est la langue qui fait la différence. Si vous enlevez la voix aujourd'hui dans une musique camerounaise, avec les guitares congolaises qui se jouent derrière, vous enlevez la voix, c'est la même musique, puisque la musique est universelle. Maintenant, la différence, c'est le chant qui amène c'est le chant qui fait la différence. Ouais, un peu. Parce que je prends le cas de Bikusi, de Benski, musicalement parlant, c'est le même rythme. C'est la même chose, musicalement parlant. Maintenant, on met dessus des animations appropriées à Bikusi, à Benski, le Bolo Bolo, c'est la même musique. Et c'est comme ça jusqu'au Soudan, hein. C'est le 6-4 en musique, le 9-8, parfois le 9-8, oui, c'est le 6-4, le 9-8. Okay. Avant de mettre sur place votre studio Makassi, parce que déjà 19 ans aujourd'hui, vous avez les objectifs. Est-ce que vous atteignez tous ces objectifs aujourd'hui? Mais est-ce qu'en art, c'est un studio d'enrichissement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que au départ, on l'a fait pour que ceux qui étaient autour de moi puissent en profiter. J'espère qu'ils en ont profité. Puisqu'ils sont, il y a plusieurs qui sont connus déjà à travers ce qu'ils ont fait ici. On ne peut pas dire que l'objectif a été atteint, puisque c'est de là qu'on a fait. Et là, il n'y a pas de plafond. On veut toujours améliorer. Quelque part, on regarde 17 ans en arrière, on se dit, ben écoute, on a quand même essayé de faire quelque chose. Je ne peux pas dire que j'ai fait grande chose, j'essaie de faire quelque chose. J'espère que les autres en profitent. Vous avez fait beaucoup de choses. J'espère que les autres en profitent. Bon, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que ce n'est pas une histoire de gagner de l'argent. Franchement, j'ai toujours dit que je pouvais mettre cet argent ailleurs. Moi, je viens de faire une tournée aux États-Unis. Je suis rentré il y a 2 semaines. J'ai encore payé mon argent de spectacle. J'ai mis dans les studios d'enrichissement. Honnêtement parlant, vous croyez que ça me rapporte quoi? Rien du tout. Beaucoup ne vont pas me croire, ça ne me rapporte rien. Je vous assure, c'est mes tournées qui me font vivre. Ça vous apporte rien, c'est parce que les artistes ne veulent pas donner. Financièrement parlant, je parle de. Non, moi j'accuse pas les artistes parce que nous vivons dans une époque où l'artiste camerounais n'est pas prêt à joindre les deux bouts. N'arrive pas à joindre les deux bouts. Je suis artiste, je sais de quoi je parle. Si aujourd'hui nous sommes dans ce flou artistique, ce n'est pas la faute de l'artiste. Parce que quand je regarde, je vois Ekami Brillant, je vois Manu Dibango, Tal André Marie, Evis Kemayou, Nkoti François, je vois les grands artistes. Et ils sont connus, ils sont nombreux à avoir travaillé. Je pense qu'ils ont fait leur boulot. Franchement, ils ont fait leur boulot. Mais maintenant, quand on nous demande que nous, qu'on organise notre secteur, je veux bien qu'on organise notre secteur. Comment allons-nous faire pour organiser notre secteur si ceux qui disent que nous on organise notre secteur sont les premiers à foutre du bordel dans notre secteur? Il faut faire attention. Alors, nous, on a fait notre boulot. Moi, j'ai fait des chansons comme les autres ont fait, qui ont marché. Si l'État ne régule pas notre secteur pour que nous vivons notre art, nous, on a beau faire notre cinéma de l'autre côté, ça ne marchera jamais. Parce que le premier disque qui sort est piraté à côté. On demande encore maintenant aux artistes d'aller arrêter les pirates. Je suis désolé, on n'a pas les moyens d'aller arrêter les pirates. Si même si on s'organise, on va faire 6 millions de réunions, on va prendre des résolutions, mais on ne pourra jamais parce que je pense que c'est le rôle de l'État. Je dis simplement, si c'est de la monnaie qu'on fabriquait à côté là, chaque jour, l'État ne serait pas parti à combattre ces faux soins-là. Si c'est de la monnaie, si on faisait la fausse monnaie,
pour envahir le Cameroun, comment on fait pour la musique? Je pense que l'État aurait déjà réagi. On peut dire tout ce qu'on veut. On va s'asseoir dans les gens vont s'asseoir partout, faire des calculs. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre l'initiative de descendre dans la rue, arrêter cette histoire-là. Point. Parce qu'on va dire, il faut vendre le disque moins cher. Personne ne sait combien un artiste rentre dans un studio pour faire son disque. Ceux qui disent qu'ils vendent le disque moins cher, le moins cher c'est combien? Le moins cher c'est combien? Si vous vendez à 200, le pirate va vendre à 50. Il n'a pas sorti un franc de sa poche. Alors, le problème n'est pas de vendre moins cher, c'est d'arrêter la piraterie. Que ceux qui ont enrichi aux États-Unis vendent leur CD à 10 000 francs. Les autres qui ont enrichi au Cameroun vendront à 2500 en fonction de ce qu'ils ont mis. C'est un problème de mise. On ne sait pas combien on met, on nous demande de vendre moins cher. Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a multiples problèmes qui causent tout ça? Parce que d'abord même... Le problème, c'est l'État. Vraiment, il n'y a pas un autre problème ailleurs. Qu'on ne tergiverse pas là-dessus. Okay, c'est l'État qui doit descendre. Because it has been said that amongst the artists, there's not unity. Parce que tout maintenant, c'est passé à l'enfer. So, quand CMC, c'est Germaine Ebele, elle a sorti son album. Et sur le CD, elle a écrit CMC Sokam. What's going on? Il faut bien que les gens savent ce qu'ils font. Il ne faut pas faire le désordre. Moi, il y a une société aujourd'hui qui marche, qui est au Cameroun, qui a un agrément. Je ne suis pas là dans la polémique des gens qui disent qu'on a retiré l'agrément au CMC. On a retiré, qu'on arrête la polémique. La loi dit qu'une seule société peut fonctionner avec l'agrément. Aujourd'hui, il y a Sokam qui a l'agrément. Bon. En attendant que l'histoire de CMC, et CMC c'est nous, hein? C'est les mêmes artistes, hein? Qui s'accapare de CMC? Qui est CMC plus que qui? Ceux qui parlent, ils ont fait le disque plus que qui? Ceux qui pensent que CMC l'a pas, ils ont fait les disques plus que qui? Ils ont fait des spectacles où? Ils ont chanté où? Pour dire qu'aujourd'hui nous sommes des CMC. Vous êtes plus que qui? C'est nos œuvres qui ont fait CMC, notre répertoire. Et les mêmes sont aujourd'hui à Sokam. Qu'on arrête une polémique qui n'a même pas de sens. Moi je dis que on ne devait plus en parler. Il y a le Sokam qui a l'agrément. L'État n'est pas bête. L'État a donné l'agrément à Sokam. Maintenant on doit fonctionner avec Sokam. En attendant que si un jour Sokam ne fonctionne pas, et que les artistes décident de dissoudre ça, parce que ça appartient aux artistes. Même la CMC, c'est pour les artistes. La personne qui réclame la CMC aujourd'hui, il n'y a pas que son répertoire qui joue là-dedans. Pourquoi? Vous touchez les doigts de... Non. Ça dépasse où tu joues, c'est Sokam? Non. J'ai dit qu'aujourd'hui, si quelqu'un écrit sur sa pochette CMC, Sokam, qu'il ajoute même Burida. S'il veut écrire ce qu'il veut dans sur sa pochette, il ne faut pas faire le désordre. Il y a une société qui fonctionne avec l'agrément. Point. C'est Sokam. Mais c'est l'État qui a donné l'agrément à la Sokam. Moi, je suis quand même surpris que les gens reviennent toujours dans une histoire de CMC. Parce que la CMC vient faire avec la Sokam. Ça n'a pas de lien. Ça n'a aucun lien. Non, attendez, je ne suis pas fâché. C'est ma façon de parler. Je voudrais simplement dire, parce qu'on entend tellement, et il y a certains qui réclament que... ils vont aller arrêter qu'on ne donne pas les droits. Si un artiste empêche à l'autre de prendre ses droits d'auteur, c'est un artiste, hein? Ils vont aller empêcher que les grands usagers payent les droits à la Sokam. Alors que ces droits-là, c'est pour tous les artistes camerounais. Ça ne rentre pas dans la poche d'une seule personne. Moi, j'ai un problème parce que je comprends pas ce qui se passe dans la tête des Camerounais. S'il y a un litige sur CMC, il y a un litige CMC, en attendant, on arrête de faire la musique. Il y a une société qui est mise en place, par les artistes, hein, Sokam. Et qu'on a un PC a été élu démocratiquement, parce qu'il était dans la salle. Nous-mêmes, on soutenait Kemayo Evid, on nous a battus. Il faut dire la vérité. Et tous ceux qui réclament aujourd'hui, ils étaient dans la salle. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se désordre? Parce qu'ils n'étaient pas dans la CMC pour le bien des artistes, s'il faut qu'on en parle. Ceux qui parlent là, ils ont fait le disque plus que Talandé Marie, plus que Manu Dibango. Pourquoi ils réclament quoi? Ils réclament quoi? Ça, c'est un trophée que j'ai eu au Congo Brazzaville. 2009, cette année. Cette année? Yeah. C'est une récompense sur l'ensemble de mes œuvres. Alors, on a estimé là-bas qu'un jour, j'ai fait un petit bon travail. Et on m'a appelé, on m'a remis ce trophée. C'est la République du Congo. Grand Prix des Arts du Congo.
Ok? On appelle ça le Koundé. C'est un... Ouais. Donc, encore une fois, au Burkina Faso, ils ont estimé que j'ai chanté un jour et ça a plu aux gens là-bas et qu'on peut récompenser. Donc, pour l'ensemble de mes œuvres, ils m'ont appelé, ils m'ont donné ce trophée d'honneur. Ça, c'est le Mali. Ça, c'est le Mali. Ça s'appelle le Tamani. Ouais, c'est un talking drum. Ça, c'est un tam-tam parlant. Toum, toum, toum. On a estimé que j'ai un jour fait quelque chose et on m'a donné ce trophée. Mais ça, c'est encore le Cameroun. C'est des journalistes. Ils appellent ça comité de l'excellence. Voilà. Le monsieur, lui, c'est votre ami? C'est mon ami d'enfance. Il me connaît comme A, de A à Z. Can you come in, please? C'est à Bafoussam. Il me connaît de A, il connaît tout de moi. Et votre nom, your name? Non, non, c'est Kewadji Dene. Ok. Donc, you guys have been childhood, you know, childhood, non, childhood friends. On a grandi ensemble. On est depuis les années 80 à Douala. Justement là où il habite maintenant. Et vous êtes venu pour rendre visite, vous venez souvent ici en studio? Oui, je viens souvent en studio, on passe un peu de temps ensemble. Ok. Et moi je sais que, being childhood friends aujourd'hui, les hommes, you know, avec les enfants, ça se passe comment? Lui il est artiste, toujours à la télé, l'amitié c'est toujours? Oui, on est beaucoup de fois ensemble, même le soir, quand j'ai rien à faire, je vais chez lui, parfois il vient chez moi, on est ensemble, on s'échange des idées. Surtout qu'on partage presque les mêmes goûts, la musique, le football. Oui. Le football, c'est grave. On est même plus que les entraîneurs. On peut parler toute la journée sans se fatiguer. Et même dans la musique, moi, je ne suis pas musicien, mais à force de côtoyer sa musique, j'ai une bonne oreille. Donc, chaque fois qu'il a un nouveau truc, il m'appelle, il me demande mon avis, parce qu'il tient compte aussi de mon avis, hein. N'étant même pas musicien. J'ai une oreille qui, parfois, n'étant pas musicien, je peux... C'est une question de son. Alors moi je peux écouter quelque chose, je lui dis c'est comme ça, il tient compte. Et c'est quelqu'un qui est très critique d'abord envers ce qu'il fait. Ça, il aime la vie des autres et c'est très bon, c'est même pour ça qu'il est très fort. Bon, on joue comme ça tous les dimanches matin, c'est la situation. How was it? 2-0. Are you disappointed? Tu as mis ton nom. Yeah, I know. Ce n'est pas encore fini. Bien, non. Mais c'est pas l'anglais. Non, tu ne parles pas français. Non, je ne parle pas français. Le pays plein. Toi, tu ne me parles pas en anglais. Are you disappointed? Je sais que ce n'est pas encore fini. Après, tu es déçu? Non, pas du tout. Le football. Mais je vais vous avez fait un petit mouvement là, vraiment fort là. Là, t'as fait le ballon. Mais ça va aller. C'est comme ça qu'on fait tous les matchs. Je pense à mi-temps. Ok. Et le mi-temps, c'est souvent combien de minutes? 5 minutes. On va faire, puisqu'on joue normalement, on joue 1 heure fois 2. Aujourd'hui, comme on a commencé tard, on va faire 45 fois 2. Donc, dans les 5 minutes, on va reprendre. Okay. D'accord. Attends. Okay.
coupe-moi l'anglais. Où entends-tu l'anglais? Ah oui, vous avez marqué, laissez pas, on a refusé, n'est-ce pas? Laissez-moi suivre, bien sûr. Non, c'est bon. I'm Goskola. No, but your goal was rejected. I don't refuse the decision, you don't see well. I will not accept. About Bele? About this Bele? I was in a very good place. Ask him about a very good moment. So I score, but you refuse, you don't see well. Okay. He refused my goal. Okay. No, but I've been watching you, you have some good movement. Yeah. You have a bien joué. Because I am taking. I am a technician. I'm a technician, but I'm whole. I have not. I don't have strong game. Has been too much. Ancien. But I play football. Jusqu'à là, vous avez laissé 1-2-1. Et je pose la question, est-ce qu'il est déçu? Il dit que non, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini, mais il est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on va les battre. Même comme ce n'est pas encore fini, I'm sure. Là, je suis sûr de moi. On remonte même 5 buts. Oui, sans même. Je suis sûr que Samedi a fait son travail. Et nous, on va finir maintenant, dimanche. So, you know that quand tu vas tout le monde, tu vois que je suis le seul bon. Je suis le seul mignon. Yes, man. Le tarot, le tarot.
j'ai fait les cabarets où j'ai... Yeah.